Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture de courrier concours, enfin c'est un colis. Et donc c'est un colis qui me vient de la part de Françoise P. Coucou Françoise, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ta participation et donc tu as le numéro 36. Françoise c'est ma binôme sur le groupe des Scrappeurs du Cœur. Et donc elle a participé aussi au concours, je suis très contente. Donc voilà, je déballe. Pourquoi c'est attaché? Hop, voilà. Alors hier, si je ne me trompe pas, donc hier, là aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo, nous serons le 5 normalement. Donc hier c'était le dernier jour pour envoyer vos colis, mais ce n'était pas le dernier jour de réception. Donc là concrètement, moi on est le 2. C'est l'embrouille. Donc au moment où moi je fais cette vidéo, nous sommes le 2. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement nous serons le 5. Et donc hier, pour vous, nous étions le 4, c'était le dernier jour d'envoi. De vos participations, mais je continuerai les vidéos d'ouverture jusqu'à la réception, enfin jusqu'à la dernière ouverture de courrier. J'ai encore des choses à ouvrir et je vais continuer à les étaler, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, mais au moment de cette vidéo, clairement le concours est fini quoi, hein. C'est l'envoi en tout cas, voilà, l'envoi des participations. Je sais pas si vous avez compris hein, mais normalement oui, je me suis pas très très bien expliquée. Alors, qu'avons-nous là? Oh, alors, je vais regarder, je suis en train de lire, je triche, je verrai ça après. Sabella, la fée des fées, carte. Donc, à l'intérieur de cette pochette, il y a une enveloppe, il y a le ciel, le soleil et la mer. La petite pochette était décorée, je n'ai pas montré. J'ai cru que c'était sur l'enveloppe, en fait, non. Des petits stickers comme ça, licorne. C'est totalement l'univers aussi de Françoise, les licornes. Elle adore ça. Elle est comme moi. Alors, donc... on dirait une enveloppe fait maison. Elle est super épaisse. Je sais pas si c'est une enveloppe achetée ou fait maison, mais waouh. Le papier est super épais. Oh, c'est beau. Chut, je dors. Oh, c'est que c'est joli. Oh, c'est trop joli. On dirait vraiment que la licorne, elle est sur un nuage. Bon, elle est certainement sur son petit nuage là, mais même, même au niveau de l'arrière, regardez ça. Oui, je parle tout bas du coup. Il écrit « chut, je dors ». Moi, je parle plus bas. Il faut que je me fasse soigner, vous croyez? Non. Je vais rester comme ça. Elle est trop belle. Pardon. Bon, bah ça y est, je me retape un rire. Elle est très très jolie. C'est plein de paillettes. C'est magnifique. Je sais pas comment t'as fait ça, mais j'adore. Il y a des petites étoiles, toutes petites petites. Est-ce que vous allez les voir? Elles sont roses. Allez, je lis à l'intérieur. Ah, il y a le mot rêvé à l'intérieur. Ici. Coucou, j'espère que tu vas bien et félicitations pour les 2 ans de ta chaîne. Alors, je te remercie, je vais bien, oui. Je pense que ça se ressent. J'espère que toi aussi tu vas bien. Alors, tu verras, ma créa n'a rien à voir avec le scrap, ok. Mais je sais que ça te plaira, enfin j'espère. Si tu penses que ça ne rentre pas dans le thème de ton concours, pas grave, je voulais de toute façon t'en faire un. Ben, si on a le droit. Je te fais plein de bisous, encore bravo pour ta chaîne Françoise. Ton binôme, bah oui je sais. Alors elle a rajouté son HHH, c'est HHH 177. Oui, je sais que tu es mon binôme, je n'oublie pas. Et alors il n'y avait pas de thème et il n'y avait pas de contraintes et
Non, il n'y avait pas de... Non, non, bon, on peut m'envoyer en fait ce qu'on veut. Alors, je me comprends, hein, tant que c'est fait avec gentillesse, avec les mains ou les pieds, comme j'ai déjà dit, pour rigoler. Non, mais voilà, après, je vais découvrir, mais en fait, il n'y a pas de... Pour moi, le scrap, c'est ouais, c'est vaste. Après, si c'est... Je vais dire une bêtise, mais si c'est du killing, ça passe aussi, très bien. Si c'est... Un truc en crochet, en couture. J'ai reçu, par exemple, pour le premier concours, j'avais reçu beaucoup, beaucoup de choses, hein, de très, très variées. Hein. Non, non, tout est accepté. Aucun souci, n'aie pas peur d'avant, je te le dis. Alors, là, elle me met concours bisous. Ok. Alors, ensuite. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas de ma faute. Ce brillant à lèvres m'a crié. Je veux. Oh, c'est pas vrai. Un brillant à lèvres. Je vais voir ça. J'ai bien lu, hein. Oui. Bon, allez, je commence à ça, puisque vu que j'ai lu, hein. Hop. Il est, je ne l'ai pas dit, mais ton papier cadeau, il est juste magnifique. J'adore, c'est une merveille. J'aime, ouais, j'insiste beaucoup sur une merveille. Ah oui, j'adore. J'adore, j'adore. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est trop rigolo, c'est trop chou. On doit l'ouvrir par les fesses. C'est pas de ma faute, hein. J'y peux rien, hein. C'est pas moi qui invente les trucs, hein. Je crois que c'est ça. Hop, alors attendez. Déjà, hop, voilà. C'est ça. J'ai enlevé l'étiquette. Regardez ça. Ah oh, oui! C'est une licorne bien en chair, quoi, comme moi. J'adore, mais ça me ressemble. C'est trop beau. Elle est toute potelée de partout. Je crois que c'est ma licorne préférée. Ah non, elle est trop chouette. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà, ok. Ça sent bon. C'est cool. Il écrit quoi dessus? Martinelia. Lips Balm. Baume à lèvres. Il n'y a pas écrit le parfum. Mais je vous garantis. Ah si, raspberry. Ah j'adore. Ah, c'est pour ça que j'adore. J'adore cette. Ça sent... Vous pouvez pas sentir, mais ça sent super bon. Trop, trop jolie, elle est magnifique, j'adore, merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pareil, je trouve ton filet là magnifique. C'est, vous savez, ça fait un peu comme les filets dans lesquels on emballe les fruits, les légumes, enfin, ce type là de plastique, et j'adore. Il est beau en vieux rose comme ça. Il va juste à merveille avec ton papier, évidemment. Et la touche d'argenté comme ça, c'est trop joli. Bon, alors, je suis super intriguée, mais bah non, vous allez attendre. Moi aussi d'ailleurs. Alors, elle m'a ajouté dans une petite pochette plastique comme ça une découpe la même que celle-ci. À moins qu'il y en ait deux. Non, je vais voir. Si, c'est ça, regardez. Elles sont super belles. Elle est magnifique, cette petite licorne là qui se repose. J'adore. À l'intérieur, il y a des petites étoiles. Donc en rose gold et en argenté. Enfin, le argenté, il fait quand même assez holographique, hein. Très très beau. Merci Françoise. Et donc là, elle m'a fait des tamponnages. Oh, c'est super gentil. J'adore les poupettes. Oh, les petits monstres. Les gnomes. Je vous laisse le temps de regarder. Je suis trop rapide. Là, on a des petits tamponnages. C'est des sur le thème de Noël. C'est les petits chanteurs, vous savez, qui viennent. Alors moi, je ne connais pas ça, mais j'ai déjà vu ça dans les films américains. Les petits chanteurs qui viennent. Toqué à la porte et puis qui vous chante un chant de Noël, c'est super mignon. Là, on a un lutin et je l'adore. Magnifique. Là, c'est les petites poupettes. Bah, je pense que tu le sais, hein. Je t'avais envoyé des petites poupettes comme ça pour notre échange, enfin notre premier, ouais, notre premier échange.
avec tous ces crayons et tout. J'adore ces petites poupettes là. Ensuite, là, on a des petits monstres trop mignons. Ouais, parce que Françoise adore aussi les petits monstres trop mignons. Là, les gnomes sont trop rigolos. Tout ça, les gnomes, les petits monstres sont super rigolos. Et oh, que c'est craquant ça! Oh, regardez. Des lutins ou des elfes. Excellent sur le gros champignon. Lui, il ramasse les feuilles. Elle a dû partir à la cueillette. Elle est partie. Elle revient qu'une petite souris. Lui, il écoute le petit piou-piou qui chante. Et elle se protège avec une feuille des gouttes de pluie. C'est trop beau. Merci beaucoup, Françoise. Elles sont très très belles, tes planches de tampons. Voilà. Et donc, pour finir, c'est moelleux. Enfin, un petit peu. Je sais pas. J'ose pas trop appuyer. Ça a l'air d'être moelleux. Je veux pas déchirer le papier en fait. Je voudrais pas casser ce qu'il y a dedans non plus, évidemment. Mais je suis pas sûre que ça soit fragile. Vraiment, j'aime beaucoup ton papier cadeau. Je me répète, mais c'est pas grave. Alors. Oh! Oh, c'est trop beau! Un gnome fait maison. J'hallucine, quoi. J'avais reçu l'année dernière un Père Noël Tilda de la part de Carole Fille. Coucou Carole, si jamais tu passais par là, je ne crois pas, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai toujours ton Père Noël. Et là, c'est un gnome, mais j'adore. Ma déco Noël va être juste trop trop belle avec des choses uniques, faites maison, faites main par des personnes adorables. Il n'y a pas plus beau, quoi. Il n'y a vraiment pas plus beau. Regarde-moi ça. Oh, merci beaucoup. Elle a fait ses petits chaussons. Là, je pense que c'est une chaussette, hein, parce que quand je faisais des doudous aux garçons, des fois, avec leurs chaussettes, c'était rigolo. On aimait bien faire ça. On les bourre après, hein, de fibres exprès, hein, ça s'achète, ça, des fibres de rembourrage. Là, c'est pareil. Un autre bout de chaussette pour les bras. Le tissu pour la petite laine au-dessus, le chapeau, le bonnet, le nez évidemment qui dépasse du bonnet, hein. La barbe, c'est excellent. Et avec un sapin dans les mains, j'adore, merci beaucoup. Bah si, hein, c'est totalement autorisé ce genre de création aussi. Oh, c'est du DIY, hein, donc DIY pour moi c'est tout ok, hein. Merci beaucoup Françoise, c'est adorable. Oh, merci, je te fais plein plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Oh, c'est trop trop chou, trop adorable. Je vous fais plein plein de gros bisous également. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt Françoise. Restez créative et créatifs. Bye bye. Oh, c'est trop chou.